Allez, on va aller se faire le pool. Préparez le sel. Parce que là, on va sûrement... Je vais sûrement me faire troller. Mais... Allons-y. Allez. Alors, attends, on va se mettre une petite musique. Parce que là, on est quoi? On est sur... Les fanatiques de Final Fantasy VI. Ta 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 ta. Allez, Dancing Mad. On va commencer par les tickets jaunes. Après, comme je te disais, c'est pas tellement le fait de donner de l'argent, c'est vraiment le prix par rapport à ce que tu récupères. €10 les 5000 lapis, encore, ça fait cher. C'est bon. Qu'est-ce que je veux dire? Oui. 10€ les 5000 lapis, encore bon. Tu te fais un pool 10 plus 1 pour 10€. Ça serait pas déconnant. Allez, qu'est-ce qu'on a donc? Pas terrible, pas terrible. Continuons. Alors, Waka. Et. Ah, Chat Noir Lead. Bon. Un perso bannière. Alors, non, moi j'achète pas 70€ les 10 heures de jeu. Tout simplement parce que j'ai pas les moyens pour ça. Moi, si j'achète un jeu assez cher. Quand je dis cher, pour moi, ça commence à partir de 50€. Ça, faut que ça soit quelque chose qui va me durer 100 heures. Après, je suis vachement dans le jeu indépendant. Des petits jeux sympathiques. Tiens, parlant de jeux sympathiques, Hob. Un petit jeu fait par ceux qui ont fait Torchlight, Runic Games. J'en ai fait des streams d'ailleurs. Très bon jeu d'aventure, style Zelda. Allez, j'en ai mis pour 13 heures. Et encore, il me manquait des choses, j'ai pas tout découvert dessus. Mais il m'a coûté 20€. Le lendemain de sa sortie. Mais après, hé, chacun fait comme il veut. Celui qui a envie de s'acheter un jeu à 70 balles parce que ça lui fait plaisir, mais hé, tant mieux si ça lui fait plaisir. S'il peut se le permettre et que ça lui fait plaisir, mais vas-y quoi, fais-le. Chacun joue comme il peut et comme il veut. Ah, deuxième chat noir sur le compte principal. Un couteau Bowie, un Abel à droite. Ah mais oui, non mais... Pas de soucis. Hein. Je comprends tout à fait. Hein.
Alors, du bleu toujours. Cécile. Une Excalibur. Kane. Une Gugnir. Parce que là, franchement, ça va surtout être pour l'RTM. Mais c'est d'ailleurs pour ça que je suis plus jeu indépendant, entre guillemets. C'est justement pour donner de l'argent aux petits studios. Alors que les gros studios, du moins ils sont bien édités, ils récupèrent des trucs. Après voilà, c'est... Chacun met son argent où il veut. Ah, 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 un doré. Alors. Aïe. Ah bah tiens, un illusionniste. J'aurais préféré Jake, mais pourquoi pas. Ah oui, bah c'est pour ça que je préfère donner de l'argent au studio indé. Comme Runic Game. Après, voilà, je vais pas non plus donner de l'argent. Voilà, je vais pas acheter tous les jeux indés. Mais si ça me plaît, allez. Hein. L'important c'est que ça plaise. Alors, Artemios, bon bah ça va être vendu. Gidol Sidria éventuellement à garder. Oui, bah de toute façon, vaut mieux acheter un jeu qui te plaît. Hein. Si tu vas te prendre un jeu, oh, pff, il me plaît pas, mais je le prends quand même. Niveau plaisir de jeu, ça sera peut-être pas ça. 10€ les 6 à 10 jeux. Bah oui, c'est clair. Et puis en même temps, tu comment dire, ça permet aussi de donner à des offres caritatives en même temps. C'est bien. Franchement. Aïe. Ah bah sur Steam, hein. C'est une grosse bibliothèque. Souvent des... Trop de jeux par rapport à ce qu'on joue. Oh là là. Et pas terrible sur le compte secondaire. Ouais, non, le compte secondaire, je vais quand même garder 2-3 trucs, j'ai l'impression. Allez, on va juste mettre les tickets bleus. Waka sur compte secondaire, encore une chatte noire lead sur le compte principal. Youpi, Timothy.
Allez, un doré. Qu'est-ce donc? Nine. Ok. À côté. Allez. On voit. Ah, un doré sur le compte principal. Alors, est-ce que ça va être bannière, hors bannière? Un deuxième Nicole. Bon, au moins il pourra chain avec lui-même. Terra. Ah bah c'est circonstance. Ça va bien avec la musique. Ça par contre je garde. Ah. Le rainbow sur le compte secondaire. Est-ce que ça va être une troisième Ayaka? Ah non, Rem. Eh ben, tant mieux, je l'avais pas. Ouais, Maria, bon. Bon, allez, suivant. Alors, l'autre Waka. On en aura vu des Waka quand même. Ah. Alors, Rainbow sur le compte principal, qu'est-ce que ça va être? Bannière ou hors bannière? Un bon ou un troll? Sachant que le dernier c'était un troll. Hein, le dernier Rainbow que j'ai eu c'était un... C'était Reberta. Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà. C'est bien, hein? Ah, je suis content. est-ce que je partage? Non. Non. Oh, putain. Ah, faut le prendre à la rigolade. Ah, le meilleur. Et bien. Oh là là. On est content. Bah disons que il reste bon. Ouais. Mais c'est pas trop celui qu'on attendait, tu vois. C'est... bon après il y a sa TM qui est bien. Faut le reconnaître quand même. Après. Pour du debuff éventuellement. Mais il servirait que pour ça. Je vais arriver à parler un jour.
Ah, les attaques est bien noté, bien noté. C'est maintenant. Là, moi, j'ai deux Veritas des Ténèbres plus un. Comment? Un Orlando et deux Tidus. Niveau attaque, c'est bon. Hein. J'ai ce qu'il me faut. Ah ouais, mais bon. Là, c'est plus une Ayaka, une Sakura encore. La Sakura de Halloween, là. Qui, mine de rien, a quand même de bons skills de dégâts magiques chaînables. Mais on va dire que l'ATM est bien. Hein. Il a une bonne épée. Ah, alors un doré. J'aimerais bien toucher Jake, moi. Voir ce qu'il vaut. Ah, Veritas des cieux. Eh, hey, je crois que je l'avais pas en plus. Le Veritas des cieux sur mon compte principal. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça peut être pas mal. Un autre doré. Deux dorés coup sur coup, c'est bien. Et c'est... c'est Vanny. Ah, Vanny. Ah, elle est bien en arène. Au début. Après, elle se fait vite one shot, mais... oui. Bah oui, on peut monter où la Sakura. Jean. Et Gilbert. Gilbert Montagnier, bien sûr. Alors. Ovelia, t'es là. T'es là, ouais. Bon. On va fusionner. Allez, une chatte noire lead. Galuf. Galuf, bah Galuf. Va me rapporter un petit peu de pièces d'or. Ah merde. Ah! Transformation cristal doré. Voyons ça. Léon. Bon. Bonne TM quand même. Penelo, on s'emmerde. Ruggles, c'est quoi déjà son truc? C'est un marteau. Marteau à 108 quand même. Si j'en ai déjà.
On va reprocher les 1300 de magie sans buff. Ah, c'est sûr, hein. Oui, ça serait peut-être plus la CG, ça, non? Pour que... Elle a quand même de gros boosts. Hein. Halloween. Le seul truc qui m'embête, moi, c'est les traductions. Parce que quand tu vois dans la... dans les passifs de Halloween Sakura que elle gagne du bonus en ayant une arme dans chaque main, alors qu'en fait non, c'est en étant équipé d'une seule arme. Pour les deux mains. Voilà quoi. En ligne, hein. Oui, c'est bon. Il y a des moments je crains le replantage. Équipé d'une seule arme. Qu'est-ce que je cherche? Oui, bah, c'est bon, bah voilà. Les deux tickets ici. Ah oui, ah, par contre, sur le compte secondaire, j'ai peut-être gardé le reste pour les prochaines grosses bannières. Je vais juste faire l'invocation à 250 plus. On a là Nicole. Il est bien gentil Nicole, mais c'est Jake là que j'aimerais bien voir moi, personnellement. Bon. Bon bah je crois qu'on a tout vu sur... Je vais garder les autres. Ah, être sylphide. Ah non, elle a... Attention Sakura... Non, je repasse sur l'autre scène. Cure de jeu. Et... Voilà. Son spell vraiment utile, pas vraiment efficace.
Château d'Halloween, voilà. Merde. Je peux pas le montrer. Parce qu'elle a un skill non élémentaire. Non élémentaire avec comment ignorance des dégâts. Et que tu peux dual cast. Oui oui, parce que justement Sakura, elle peut dual cast ses skills Grimlord. Il peut chaîner avec celui de H. Sachant. Alors attention, lequel de H? Parce que si c'est. Comment que ça s'appelle? Si c'est avec la Ir Céleste. Faut savoir aussi que Ir Céleste s'enchaîne parfaitement avec le Mirage. Ouais, c'est ça, Evans Fury. Et ben, ça chaîne également parfaitement avec le Mirage, le skill de l'ATM de 9S. C'est ça, Soul Barrage. Magique dommage avec 50% d'ignorance de la psy, enfin de l'esprit ennemi. Et ça, c'est. Je l'ai utilisé tout à l'heure, c'est génial. Par contre, hop, voilà. Ah ouais, c'est fort, c'est très fort. Jotement. Ah oui, c'est ça la nuit, merci. C'est le... Là où j'étais... Attends, je vais faire une capture. Capture des... Capture de fenêtre, voilà. Voilà, c'est celui-là. Sous le barrage. Magique, dommage. x2. Avec 50% d'ignorance de l'esprit. Bah là tu peux chaîner mais à fond quoi. 10 hits. Là tu peux chaîner en magique dommage mais à fond quoi. Et surtout que c'est sur tous les ennemis. Avec H c'est génial. Bah bravo la nuit. GG. Eh bah, tant mieux. Par contre, moi, j'avais pas fini. Parce qu'on discute, mais hé. Hey, pas fini. Le poule journalier. Le bon poule. Allez, chat noir lead, même si elle est rose, bien sûr. Lead. Ah. Alors, est-ce que ça va être Jake? Ou est-ce que ça va être encore un Nicole? Elena. D'accord. Ok. Ok. Donc, ensuite. L'Exus bleu.
aller un peu plus vite. Ah merde! Oui, forcément. Look. Ah bah oui. Ça marcherait mieux comme ça. C'est sûr. Oui, désolé, désolé. Allez, hop. Hop, 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 qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai? Ah, oh, les conneries. Hop. Ah, merci la nuit pour le follow. Allez. Ouais, je crois que je viens de claquer des 4 étoiles minimum. La lumière. C'est ça. Allez. Garland. Ah, on a vu, il a un éveil de capacité. Mais il est... Yo 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 guys, your boy Dyer here. Ah. Let me go ahead and have a little bit more fun this trans era. Et la nuit qui m'a envoyé une petite vidéo. Ah. Comme s'il pouvait arrêter de me filer des pubs à la con. Voilà, YouTube. Alors, continuons. J'ai quoi l'activation? Ah, Rakusha. On est content de la voir. Sabine, ouais. Pardon. Monstera, oui, effectivement, elle a augmenté de puissance. GL Jack. Hortz, ouais. Ah, on parle donc de Halloween, Jake. Mais oui, c'est Tidus sans Tidus, mais il chaîne avec. Il chaîne avec Tidus.
Hop. Ah oui, pareil pour Cerber. J'arrive mieux à le one-shot qu'à arriver à lui infliger une limite. Le tue trop vite. Ou alors si j'attends trop, c'est lui qui tue Megus avec son skill de mort immédiate. Ah non, mais j'ai fait un test. Tout à l'heure, je l'ai utilisé, pouf pouf. Ça a chaîné. 14 hits. Sans faire du perfect chain. Donc moi, rien que ça, déjà je suis content. En double hand. Oh, c'était en dual wheel. Allez, encore une Maria, on s'emmerde. Pardon. Aiden, mine de rien, sa robe est pas mal parce qu'elle fait du refresh. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ayat. Allez, on continue, on essaye, on essaye. Bon, là, forcément, c'est ticket UX, donc. Il y a une possibilité pour la bannière, mais. C'est très rare. Il me semble. Alors une dorée. Mercedes. x2. Bleu. Chat noir lead. Oui, si, on peut toucher sur 2x. Bédil. Bédil. Ah, un doré. Bran.
Allez, encore un ticket ici. Ensuite, on va faire les tickets 10 plus 1. Garde vraiment le ticket 5 étoiles garanti pour la fin. Bon. Ok. Allez. On a 4 tickets 10 plus 1. Alors on va commencer par le premier. Claude? Non. Non, parce qu'en fait là, ce qui se passe, c'est que je vais bientôt être en pause là. Il va y avoir une petite pause dans le streaming parce que d'une part, je vais aller dans la famille. Donc pas de PC, enfin j'aurai pas mon PC de stream avec moi. Et après je travaillerai en déplacement. Donc va bien passer allez 5 semaines sans pouvoir stream. Donc là j'en vois tout, du moins sur le compte principal. J'en garde un petit peu sur le compte secondaire. Mais voilà. Là, on va. Là, je liquide ce que j'ai pour les persos limités. Parce que je crois que Cloud, vu que c'est une bannière Final Fantasy, je crois pas qu'elle soit limitée dans le temps. Donc, même si tu l'as pas durant la période de la bannière. Et merci Revimour pour le follow. Mais de toute façon, moi je préfère pool sur les bannières limitées dans le temps, parce que de toute façon, ceux qui sont pas limités dans le temps, tu les auras. Il y aura un moment où tu les auras. Ça peut être très longtemps après, mais tu auras la possibilité de l'avoir. Alors, bah pas de 5 étoiles, hein. Pour l'instant, une Riku. TM. Une Chantoto. Ça c'est bien ça. À vendre. TM, à vendre. TM. Allez. Troisième ticket 10 plus 1. Alors le bleu qui va se transformer. On va peut-être remettre un peu de musique. Loka. Ouais. Ok. Ok. Allez, on va mettre ça. Lequel te... Donc Loka, Elena. Zidane pour un dual wield. Abel pour un couteau Bowie. Et puis une Victoria. C'est toujours ça. Ah bah on verra bien après. Quand on l'aura. Parce qu'en attendant... Oh putain que c'est pauvre.
Mais virus que j'avais pas encore. Ok. C'était pas terrible. donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste deux tickets. Ah non. Non, non, il me reste le 10 plus 1. On va faire également le pool journalier tout de suite. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Mais je me souviens que j'avais essayé de le pool... quand c'était la bannière justement Dark Bahamut, etc. Et... pas eu. Mais là, ouais. Ah bah là, ma Dark Fina, elle va se faire un plaisir. bon. Ok. Donc on va faire deux poules à 5000. Ouais, deux poules à 5000. Et on terminera par le ticket 5 étoiles. Par contre, moi c'était... un peu de musique. Allez. Est-ce qu'il y aura Jack? Non. Voilà. Allez, Halloween Jake. Non. Non. Elle dit non. Ah, il est... pas trop sympa hein, sur la... sur les poules de bannière là. Oh yeah. C'est mitigé. Oh. Alors. Combien de persos de bannière? 1, 2, 3. Sur 11. Voilà. C'est vachement bien. Bon, bah, il reste plus qu'un ticket. Le 5 étoiles. Il va me retroller à nouveau. Hein. Rapide. De toute façon, c'est les probas. Ça vient pas là, hein. Oh, oh, un rainbow. Waouh. C'est surprenant. Ah oui, t'arrives au bon moment, oui. Salut Alex. Bah ouais, enfin t'arrives au bon moment. C'est mon ticket 5 étoiles garanti. Que je viens de pull. Ça va encore, ouais. Sachant que... alors, on va faire le récapitulatif. Alors, voir. Trier par obtenu. Ah. Alors.
Orlando. Attends, je vais aussi filtrer pour avoir que les 4 et 5. Donc Orlando. Tata, Zyrus encore pour son bâton. Là, Léon. Veritas. Nicole. Et Delita. Voilà. Bon. C'était bien, hein. Mais c'est comme ça, c'est les probabilités. C'est pas grave. On va rééconomiser à fond. Mais quand même. Il y a eu deux Rainbow. Orlando et Delita. J'ai toujours pas d'Ayaka, j'ai toujours pas de Onion Knight hein, sur ce compte. Comme ça. Allez, sur ce. Là, vu que je suis à 360 sur 240, va falloir que je fasse un peu de ménage. Cerber beaucoup plus dur. Bah, le truc, c'est que pour le tuer vite fait, il est pas trop dur. Par contre, pour arriver à lui balancer une limite, c'est un peu plus dur. Parce que il faut que tu fasses suffisamment de coups pour remplir ta jauge sans pour autant le tuer trop vite. Et que si tu le laisses en vie, au bout d'un moment, il te tue des mecs avec... Parce qu'il a un skill de mort immédiate. Ah bah après, si t'as réussi, tant mieux. Moi je sais que j'ai essayé deux fois, je le tue trop vite. J'ai pas le temps de lui balancer une limite. C'est comme ça. Mais bon, de toute façon c'est que pour 100 000... 10 000, qu'est-ce que je dis 100 000 ? 10 000 épingles à cheveux, c'est pas très grave. Mais bon, sur ce, moi je vous dis une bonne soirée. Amusez-vous bien. Et puis... je pense que je restreamerai un petit peu ce soir, mais dans la nuit, du Zombie Night Terror. Histoire de rigoler un peu. Allez, bonne soirée à vous. Ciao, ciao.